tête à tête après une révision intense. Nouveau code civil, une venue en force, les premiers illettes, un document légal important qui spécifiait qui ou comment un citoyen ou devrait être faire ou doit ainsi qui ou responsabilité depuis naissance jusqu'à la mort. Sa révision peut faire depuis 2013 et reflecter bon changement qui n'arrivait dans le contexte social pays ainsi qui doit y mettre en lien avec la constitution de notre troisième république. Aujourd'hui, justement, nous connaissons ça nouveau document, ben, l'amendement qui n'en a, et nous faisons ça avec vice-chairman, sa comité révision code civil, honorable Bernard Georges, qui est nous dans le studio. Bonsoir, un plaisir pour nous au plateau aujourd'hui. Bonsoir, Patsy, merci infiniment pour invitement. Vous connaissez qui m'ont content cause le code civil. Justement, on a dit une grande excitation avec ça, une révision qui est très anticipée. Comment il a été un petit peu ce travail? Il nous dit comment c'était depuis 2013. Bien, c'est un travail de longue haleine, où ça les temps qu'il prend. Nous commençons le travail avec son assent par président. Il dit qu'il y a un travail à chaque année à cause d'une vingtaine de plusieurs étapes de ce travail. Premièrement, il y a un travail de révision par sa comité de révision, qui est grand chef par CFZ Mathilde Toumi à l'époque. En fait, quelquefois, il est parti même CFZ encore. Moi, il était avant, il vient CFZ, après, il continue ça. Donc, ça, c'est le premier travail de révision. Deuxièmement, là, ça travaille en fait. Nous avons le code public et nous discutons avec les autres et nous écoutons ce qu'ils ont dit nous à plusieurs reprises et nous révisons encore. Après ça, nous avons drafté, nous avons mis ensemble et après, nous venons devant l'Assemblée. L'Assemblée fait des sessions de travail, Bills Committee, Extended Bills Committee, en public et nous avons une quantité de feedback du public. Il y en a une autre révision qu'ils ont fait après ça et après, nous allons devant l'Assemblée pour 7 jours au moins débat. À des reprises, jusqu'à l'air, nous avons fini. Après ça, nous avons retourné pour réviser encore, parce qu'il y a certaines choses qui sont censées dans l'Assemblée pendant qu'il se passe. Et finalement, son document final est capable d'aller au président pour lui assente. Justement, en fait, le premier document que le président Reverend Kalawan a signé, il était électé, il a fait ça un mois après son élection, en novembre. Mais seulement, il n'est pas venu en force jusqu'à là, les premiers idées, il y a les autres travaux. Quoi, ça les autres travaux qu'ils ont besoin de faire? Bon travail, conséquence. À cause de sa bill et tout simple, enfin, civil code, tout simple, tout quelque chose, nous avons besoin d'aller sans certains les autres la loi qui sa bill, tu peux affecter, qui sa civil code, excuse-moi, civil code bill, tu peux affecter à cause, il peut sans savoir les autres la loi. Nous avons besoin de faire provision pour un curateur, par exemple, qui peut exister, qui pour manager succession. Donc, nous avons besoin sans la loi. Qui appelle la loi curatelle, nous avons besoin sans ça, nous avons besoin constituer un nouveau poste. Et puis nous avons besoin faire ce qu'on appelle les consequential amendments. À cause, il en a un changement dans la loi, à cause, nous ne prenons pas la loi et nous amène dans le code civil, et nous ne prenons pas le code civil, nous mettons dehors dans la loi, nous avons besoin d'amendre tout ça là avant que le code civil vienne en force. Justement, avec qui est la différence? Nous allons retourner au curatelle un petit peu plus tard dans le programme. Justement, qui est la différence qui en a là de 101? L'État nous guette ça document général comparé avec ça. Il y en a une quantité de différences. Il y en a une différence de structure, il y en a une différence de la forme, il y en a une différence de son langage, il y en a une différence de son contenu, etc. Donc, il y en a une quantité de différences. Il y en a une nouvelle chose qui a amené, qui partit là avant. Il y en a une chose qui est là-dedans et qui nous exporte, nous met dans les autres la loi, qui partit tombe dans le cadre du code civil. Nous dit à peu près 10% sa code civil qui nous révise. L'État nous pourtant nous dit, mais ça pas beaucoup. Certainement pas plus que 10%. Oui. Il pas plus que 10%. Mais seulement, est-ce qu'il y a un changement majeur? Quoi est le changement majeur qui est arrivé? Ben, premièrement, avant d'arriver là, si vous permettez-moi, le code civil, c'est un code qu'il a depuis 1804. Et le fait qu'il n'a pas besoin de sens, lit beaucoup, il a preuve son durabilité. Okay. Il a preuve qu'il son contenu. C'est un contenu, un peu pareil, où il a dit, bon livre, la Bible. Avec Coran, qui cause pour une quantité de temps, une quantité de l'année, même certains disent qu'il y a l'éternité. Le code civil, c'est exactement pareil. C'est un principe tried and tested, qui est évident then et qui est encore évident aujourd'hui. L'air censé, quand il a demandé, c'est juste pour réfléchir sur une nouveauté qui est arrivée dans la. Par exemple, DNA, par exemple, parce qu'il existait en 1904, nous avons besoin de faire une provision. C'est là que ce bon changement est venu. Mais son fondamental, son principe lui-même, pas censé. Pour répondre aux questions, qu'est-ce que ça va de nouveau quelque chose qui est censé? Ben, premièrement, par exemple, il y en a la preuve par DNA, il y en a un nouveau grand divorce, il y en a l'équivalence qui nous fait dans une propriété entre des gens qui sont mariés avec des gens qui vivent en concubinage, il y en a droit de superficie,
qui existait avant, comme un gisement à la cour, mais par exemple, qui nous fait aller entrer, il y a un trouble de voisinage, il y en a tout ça, bon, quelque chose qui nous fait. Nous ne sommes, par exemple, les enfants à dire terrain. Nous ne sommes, c'est un mot illégitime complètement dans le code civil. Il n'est plus existé, il n'est plus en légitime et illégitime. Mm-hmm. Tout le monde, tous les enfants exactement pareil. Mm-hmm. Ça, c'est un nouveau sens qui nous fait et qui donne sa code civil un aspect moderne quand même il y a un code qui est plus qui des 100 ans. C'est intéressant qu'on mentionne un nouveau ground pour divorce. Oui. Élaborez un petit peu là. Ben, en 1993, il y en a une première réforme, la loi divorce. Avant ça, il y en a essentiellement trois grands divorces. Adultery, cruelty, desertion. OK? C'est un des autres, mais ça, c'est ça, trois gros. En 1993, là, la loi est réformée. Et moi, je suis chairman Divorce Reform Committee, ça, à l'époque. Nous avons envie, on a un divorce par consentement mutuel. C'est-à-dire que ça, ça a des démons, il a envie de divorcer. Ils n'ont pas qu'à pour venir dans le training cruelty desertion, mais ils tombent d'accord qu'ils ont besoin de divorcer. Nous, on a sa ground. Mais nous n'avons pas qu'à amener à cause qu'il y a un peu de résistance à l'époque. Mm-hmm. Alors, nous introduisons un ground qui dit que si on vit séparé à part pour un an, ou capable, avec consentement de l'autre partie, on a un divorce. Donc, nous faisons ça en 1993. Mais on a des fois, ça a un parti par où il est consenti. Mm-hmm. Et de temps en temps, on a un mariage qui break down. Les gens ne peuvent vivre ensemble pendant 20 ans. Mais n'a pas les signes. Alors, ou bloqué. N'a pas d'adultery, n'a pas cruelty, n'a pas desertion, n'a pas consentement. Qui vous fait? Alors là, nous introduisons un cinquième ground divorce qui dit que si on vit séparé pendant 5 ans, même si ça l'autre part, si pas l'a accepté, un divorce est capable de gagner donné. Ça, c'est un nouveau ground. Mm-hmm. Et il y en a ça à côté aussi, 7 ans? Il y en a ça oui. Quantité l'année aussi? Ben, 7 ans, il y en a pour faire avec propriété. Ça qui code civil, il fait, et un son bon grand. Nouveauté, c'est faire l'équivalence dans la propriété seulement entre des gens qui marient et des gens qui ne sont pas mariés. Okay. Jusqu'à la Code civile, les gens qui sont mariés, après les gens qui ont un divorce, la Cour de Cabe donne un ou bien l'autre sa bien matrimonial. Mais si vous n'êtes pas marié, la Cour de Cabe donne un bien matrimonial. Et tu faisais dans nos élèves en coutine invest. Alors, on a des fois, c'est tout bonne madame, et madame, il restait dans la case pendant quand c'était période de temps, avec son monsieur, pas de marié, mais papier, non, ça, monsieur, les autres. Séparés. Relationship, ils cassaient, ils ont séparé. Sa madame pas capable de gagner ça bien. Il a besoin d'accepter un peu l'argent pour son contribution qu'il fait. Et nous trouvons ça mal. Mm-hmm. Les mariés ou gagnent, les pas mariés ou pas gagnent, alors nous faisons l'équivalence. Et en plus que ça, nous disons, par exemple, il y a une présomption que si sa mariage ou bien sa concubinage, il laste pour 7 ans ou plus, mais un minimum 7 ans, il y en a une présomption qui pour partager sa bien également, 50-50. Mm-hmm. Il y a une présomption. Mm-hmm. Ça veut dire que la loi commence avec ça, et après, il regarde s'il y en a un qui fait plus de contribution ou bien l'autre qui fait plus, et il va assister. Mais son présomption, c'est qu'ils ne peuvent pas attendre ça quelque chose également si sa relation est tenue pour plus que 7 ans. Un petit peu sensible, ça doit le prendre en compte. Contexte, c'est le, en terme, nous, le nouveau magazine de la religion. Ben, c'est qui va y pour vous autres? Ben, c'est une bonne clause qui nous passe plus longtemps. Là. Et c'est une que nous avons beaucoup plus pushback avec la population. C'est tout, bon, c'est monde qui est marié. Alors, vous ne pouvez pas voir qui bon, c'est monde qui n'est pas marié. Ils devraient gagner le même droit qu'ils autres. Mais la façon qu'il nous explique ça, c'est d'une façon assez simple. Et nous dit que c'est seulement une présomption. La Cour, il va regarder tout bon facts. Il va regarder si c'est vrai. Il va regarder si c'est bien. Et dans la loi lui-même, il nous met plusieurs clauses qui expliquaient que c'est ça une relation qui qualifiée pour sa qualité de traitement. Okay. Et ça, il faudrait y en avoir. Propriété dans la cité, par exemple. Okay. Zotin vivent dans stabilité. Il y en a des enfants. Zotin a un bon joint account. Donc, quelque chose comme ça qui montrait que c'est un couple qui tient envie de vivre comme un couple. Il passe à se qualifier automatiquement. Il passe à se qualifier ou assis avec un bouc pendant 7 ans ou bien on tape avec un zimoun pendant 7 ans pour gagner ou gagner ou. Il n'est pas comme ça qui va assez. Okay. Mm-hmm. Et en plus que ça, la Cour est capable, moyennant ça, de dire non. Il y en a un facteur là. Que sa présomption pas devrait être appliquée. Donc, la Cour, tout le temps, il y en a une décision finale pour l'y prendre,
pour faire la justice. Monsieur Josin, l'autre point qui est nouveau en relation avec Banque Coop, c'est contrat avant et après mariage. Oui. Ça qu'on appelle prenup et postnup. Oui. Il existait avant, mais seulement pas légalement. Et beaucoup de gens viennent et demandent nous, un avocat, est-ce qu'ils m'ont fait un prenup, est-ce qu'ils m'ont fait un postnup, est-ce que la loi a accepté lui, est-ce qu'il n'a pas accepté lui. Et nous avons besoin de dire aux autres, mais il n'y a pas rien dans la loi. Alors, fais un contrat. Et là, ils ont besoin de service à contrat, nous avons si la cour pour accepter ou bien pas pour accepter. Qui pas vraiment tient quelque chose assez stable pour nous dire bon client qui vient devant nous. Là, nous faisons une provision qui dit qu'il est capable de faire un contrat de mariage et il y avoir une validité devant la loi CCL. Et l'autre point qui est couvert dans le Code civil, c'est droit à l'héritage, oui. Inheritance, c'est oui. Ça qui nous dit succession. Oui. Explique-nous un petit peu comment il y a une sensée. Ben, ça, c'est le deuxième plus grand, ou même quelquefois le premier plus grand changement qui s'accorde à faire. Jusqu'à présent, jusqu'à les premiers illettes, ici, c'est celles bonnes enfants qui naissent. Et qu'il y en a un parent qui en a un bien, il y en a un droit réservataire. C'est-à-dire qu'un démon, là, il est mort, il a besoin qu'il quitte un certain pourcentage de son bien pour son enfant. Ça existait jusqu'à les premiers ziliètes. Ça nous tirait complètement. Et là, présent, il y en a ce qu'on appelle testamentary freedom. Un démon, il est capable de laisser quelque chose pour son enfant et nous encourage les autres laisser pour les autres enfants, mais il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de laisser pour aucun de ses bons enfants. Ou bien il est capable pour refaire ou choisir lesquels sont les enfants qui pour gagner, ou bien pas besoin de donner autres également, il est capable de donner un peu plus, un autre un peu moins. Et donne donc un certain la liberté à un monde pour décider lesquels qui peut hériter avec lui. Il est capable de donner un peu plus sans un qui n'occupe lui dans son l'état maladie, il est capable de donner un peu moins ou bien pas du tout sans un qui pas n'occupe lui du tout. Ou bien il est capable de dire que tous son bons enfants ont assez bien fait dans la vie, tous autres ont gagné suffisamment, et il va laisser son bien pour un autre du monde, un autre membre de son famille, quelquefois qui n'est pas aussi fortuné, ou bien l'église, ou whatever. Nous lui donnons sa freedom testamentaire, et c'est ça qui entre dans sa cour. Ça, c'est un bon grand changement. Et l'esprit et la philosophie derrière ça, c'est que si un du monde a fait pendant son vivant ce qu'il a envie de faire avec son bien, à cause qu'il n'est pas capable de décider, après son mort, qui peut arriver avec son bien, à cause qu'il a besoin de forcer, donner un peu son enfant. Il pas laisse l'espace là encore pour, ça dit, qu'il a manipulé, un parent a manipulé, qui m'a été. Mais aujourd'hui, il a besoin de manipuler. Enfin, pas aujourd'hui, mais avant ça, la loi est censée. Il a besoin de manipuler un enfant, il a besoin de mettre son vieux parent contre notaire, et faire un testament, bien faire un transfert. Et donc, manipulation, tout le temps, c'est arrivé ça. Il y en a une quantité de manipulation qui est arrivée. OK, il y en a un garde fou. Mais là aussi, encore, il y en a un garde fou. Bonnes enfants qui, si on a une madame, un spouse, qui a besoin de maintenance, ou bien laisse un monsieur mort, il y en a des enfants qui ont encore un balade qui a besoin de maintenance. Les autres, ils n'ont pas gagné un part dans sa succession. Ils ont un balade en cours, ils n'ont pas gagné un autre part. Donc, nous avons besoin faire. Nous n'êtes garde fou partout pour faire ici qu'il n'y a pas l'injustice qui est capable d'arriver. Mais ça qui nous envie, ou ça qui nous tient envie dans le contexte de code civil, c'est donner un peu plus de responsabilité individuelle. Pas nécessairement suivre ce qui est quand même fait en France. À cause de l'esprit derrière réserve, il faut nous comprendre très bien. C'était l'esprit qui s'est sorti dans la Révolution française en 1789. Il partit pour faire ici que tous les enfants y en ont pareil. Il dit à cause qu'avant ça, le premier garçon qui gagne tout et tous les autres enfants pas gagnent rien. Alors, dans l'esprit de liberté, liberté, égalité, fraternité, c'est tout égalité, ils ont amené sa réserve pour faire que tous les enfants y gagnent par égal. Ça existait là-bas, à ça l'époque. Il n'est pas nécessaire qu'il philosophie qui c'est celle, nous t'y croyons, les nous révisons le code civil, devrait être adopté dans le 21e siècle. Il n'est pas applicable dans le contexte CC. Il n'est pas applicable. Et il y en a certaines façons pour faire ci. Parti, 9 du monde, l'autre 10, ou 99, l'autre 100, pour laisser tous les autres bien pour les autres enfants. Ce n'est pas à cause de nous donner notre liberté pour ne pas faire, qu'ils ont tous les autres pour tailler pour ne pas faire. Non, il faut comme ça. Nous reconnaître que 3 quarts du monde, la grande majorité, pour still laisser tout quelque chose pour les autres enfants. Ce qu'ils ont envie de faire, c'est donner pouvoir à un parent pour lui dire non, ses enfants pas mérités, ou bien ses bonnes enfants, c'est bien fait, ils n'ont pas besoin d'hériter avec moi.
Mais c'est mon cas, pas challenge. Sa parent, si on dit, mais écoutez, son esprit est parti trop, bon, l'État, il prend sa décision. Est-ce qu'il manque à challenge? Absolument. Et ça, il existait avant, il existait toujours, il peut exister demain. Faudrait un dimon, il fait une disposition, son bien, il fait elle avec, avec son esprit. S'il n'a pas l'esprit, ça, tout ça qu'il sait faire, il gagne cassé. Mais ça n'a pas rien pour faire avec sa sensement. Ça, il a, la cour, il a tout le temps pour protéger un dimon contre lui-même. Okay. S'il n'a pas aucun héritier, mon état bien, ta propriété, ta asset, c'est mon pas héritier. Qui est arrivé dans ce cas? Bien, ici, aujourd'hui et après, avant les premiers illettes et après les premiers illettes, même affaire pour arriver, si on n'a pas aucun héritier, aucun part, tout bien, il y a pour l'État. Okay. Il est très rare. Il est très rare. Le Code civil, il donne nous un droit au rôle d'un héritier jusqu'à 12e degré. Expliquez. Donc, il a besoin d'un un cousin ou bien un petit neveu somewhere dans le monde. Il y en a juste un, pendant 40 ans carrière, qui m'en a, juste une fois, qui m'en come across un madame qui est mort, qui n'a pas aucun héritier, aucun quelque chose, aucun pas. Tout le restant, tout le temps, on a trouvé un petit héritier somewhere. Intéressant. qui raté, en nous causant un peu la cause aussi, tenant un projet de loi spécifique pour lui, pour faire l'amendement, oui. Cause de son importance. Ben, ça qui est arrivé en 1976, le Code civil, c'est quand il est révisé par le professeur Cloros, dernière grande révision qui s'est quand même fait juste avant l'indépendance, un concept exécutaire a été introduit. Lundi, mon mort, avant ça, et en bas la loi française aujourd'hui, lundi, mon mort, son bien y a directement pour son héritier. Ici, c'est en 1976, nous introduisons un exécuteur. C'est-à-dire que lundi, mon mort, son bien parle directement pour son héritier, il y a le d'un exécuteur. Sa exécuteur fait un inventaire, son bien. Il ne paye aucune dette. Il regarde s'il y en a un testament. S'il n'a pas, il regarde la loi et il distribue le restant parmi les bons héritiers. C'est comme ça qui nous la loi succession, il m'a assez. Pour ça, exécuter quand il a pointé, il faudrait soit il a pointé dans un testament et après confirmé par la cour, ou bien il a pointé par la cour. Alors tout le temps, il y a un caisse en cours après une succession. Premier problème, c'est que ça prend le temps. Deuxièmement, c'est qu'il laisse à exécuter quand il a pointé, tu n'as pas aucun laps de temps pour lui distribuer sa bien. Il y en a certains cas qui ont vite, il y en a encore 10 ans, 15 ans plus tard, bon bien style pour qu'on distribue à cause de bon problème, etc. Et nous trouvons qu'il s'attire mal. Tu as besoin de faire quelque chose pour faire l'IAL beaucoup plus vite. Alors, ce qui nous fait, c'est dire, au lieu en cours au présent, pour appointer un exécuteur ou bien pour confirmer un exécuteur qui a appointé dans un testament, nous pouvons constituer un monde qui appelle un curateur, qui est au même niveau qu'un Master of the Supreme Court, et lui qui pourra pointer exécuteur, au lieu d'aller en cours présent pour accouter sa curateur, il pourra pointer exécuteur, ou bien il va confirmer exécuteur. Et lui présent, il pour suivre sa succession. Il pour faire ici qu'il dans une période de 2 ans, on finit avec sa succession, on finit de distribuer tout le monde quelque chose, et il fait ici qu'il n'a pas héritier qui est en dehors, pareil, nous le voit dans le passé. Ou bien sa exécuteur par le bon bien. Sans qu'il consulte bonnes héritiers, etc. Sa curateur, il y avait en un même mise, si on veut, un droit de regard, un oversight, l'eau, ça qui peut arriver, pas sa exécuteur dans sa succession. Il a fait ici, il a fait dans une période de 2 ans. Et s'il n'est pas capable d'arriver dans une période de 2 ans, lui, il y avait à dire qu'il considère le temps extraipé dans nous. Ça, c'est pour, donc, pour faire quelque chose beaucoup plus streamline, beaucoup plus vite, et pour faire ici qu'il y a une succession pas traînée et il gagne dispose d'offres. Un modèle, quoi, qu'ils ont une service qui peut à peu près. Nous l'inventer. Inventer? Oui, oui. Il y en a certains pays qui sont aussi dans la loi anglaise qui en ont ça qu'ils ont appelé un public trustee. Et c'est ce public trustee qui lit, il y en a un droit de regard à la succession. Mais il ne va pas appointer exécuteur, il ne va faire aucune quelque chose. Donc, ça, c'est l'invention pour nous. Qui nous fait d'après nos besoins ici localement. Et c'est la loi, donc, nous besoin, au lieu de constituer à nouveau la loi, nous prenons la loi curateur des biens vacants qui existait et nous donnons les attributions. Donc, nous sommes sa curateur l'acte pour faire que le curateur présent n'est pas fait 6 biens vacants, c'est-à-dire bon, bien, bon, des gens qui disparaissent, ou bien qui partent ici, ou bien qui nous parlent avec autres têtes, ou bien des gens qui meurent, qui n'ont pas hérité, ou bien quelque chose comme ça. Et nous donnons les attributions pour les présents à point exécuteur et s'il veut y travailler. Beaucoup plus de pouvoir, un peu. Pardon? Un petit peu plus de pouvoir, un peu plus de responsabilité. Plus pouvoir, beaucoup plus de pouvoir, ça demande pour baiser quantité. Okay. À cause, il y en a, comme il a, the Master of the Supreme Court,
Il passe trois jours, at least, le 5, j'espère point exécuté. Donc, on va voler le travail. Présent, si en plus qu'il s'arrête pour besoin, si veille travail à exécuter, on va quand c'est travail pour nous. Nous souhaitons yamasser, ça va assez. Il peut marcher. Il y en a aussi, bien sûr, avec bon sens, certains, la loi qui a besoin, quand il tire net, cancel net, quand oui. Il nous dit repeal en anglais, oui. Et là, qui m'ont pégété, la majoritaire, oui. Pour domicile, pour statut de Madame Maillet. Il oui. Sorti net, oui. Qui arrivait avec? Ben, par exemple, l'âge minoritaire. Tu en as une défaillance entre la loi. Un qui dit 21 ans, un qui dit 18 ans. Et donc, nous tous, un qui dit 21 ans à cause de l'âge majoritaire et 18 ans. Il y en a un des autres, la loi, pareil, on dit, qui nous les a cancel complètement. Un, c'est Status of Married Women Act. Il y a la loi qui est gagnée maintenant depuis l'année 40. Pour donner avec Madame Maillet, même statut qu'ils ont Maillet. Parce qu'avant ça, Madame Maillet, parce qu'elle a une propriété de son nom. Tout ce qui est besoin de son monsieur. Mais il existe pour Madame Maillet. Mm-hmm. Okay? Tu donnes un statut égal à son mari. Mais 8 couples ou 10 pas Maillet, si c'est celle. Alors ça, tu servis pour dire, c'est un narrow groupe de monde. Il ne faut pas prendre en considération bon de monde qui restait en concubinage. Mm-hmm. Et sinon, tu n'es plus en aucune raison pour ça, la loi. Ce qu'il nous fait, nous prenons quelque chose qui est important dans sa Status of Married Women Act, nous mettons dans le Code civil, un rapatriement, et la restante, pas si besoin, alors nous cancelons. Donc, tout le monde qui est important est dans le Code civil. Mm-hmm. Paris, nous fait avec Civil Status Act. Mayas, une sortie dans Civil Status Act, nous retourne dans le Code civil comme c'était avant. Mm-hmm. Les Anglais, c'est une cécile, sont tirés dans le Code civil, sont mettés dans un Status of Married, dans Civil Status Act. Là, nous reprenons lui, nous retournons lui à son source. Divorce pareil. Les Anglais qui viennent ici, ils prennent lui, ils mettent lui dans le Matrimonial Causes Act, qui est une réforme, pareil, on expliquait tout à l'heure en 1993. Mm-hmm. Là, nous prenons lui, nous retournons lui dans le Code civil, côté des vrais têtes. Donc, pareil, utilisé dans l'introduction, pas de Code civil, il a, puis moniteur depuis le jour, naissance jusqu'à la mort, il passe à travers tout quelque chose qui arrive dans la vie entre temps. Moi, pour le retourner encore un petit coup, si c'est là, à cause de nous, il y a un problème vraiment sérieux. C'est le temps en temps, nous avons ça causé la terre ou la superficie. Comment y a-t-il là? Est-ce qu'il est satisfait qu'à présent, nous ne pouvons pas prendre un cancan la terre? Non, nous pouvons tout le temps prendre un la terre. Et bien qu'il n'en ait pas la terre, à cause de montrer qu'il y a des gens qui sont intéressés avec notre bien, avec notre succession. Ce qui nous peut faire, nous, tout le monde légise la terre, à n'importe quel moment, et ce qui nous essaye dans le Code civil, c'est éliminer certains bons problèmes qu'il y en a. Et un de ces bons problèmes, c'était droit de superficie. Alors, de plus en plus, nous voyons, et quelque chose qui personne n'a pas vraiment imaginé jusqu'à à peu près dans 1970. Personne n'a pas vraiment, il y en a quelque fois, un des cas le droit de superficie. Mm-hmm. Mais all of a sudden, il y en a une prolifération du monde construit la terre qui va pour les autres. Avec permission. Les parents, ils donnent un permission to build, quelque chose comme ça avec les enfants. Et dans construction massive qui n'arrivait, construction logement massive depuis l'indépendance, par exemple, il en a beaucoup plus problème propriété, obviously. Et ça qui la loi essaie de faire, c'était la cour, essaie de trouver une solution pour quelque chose qui partit dans la loi. Mm-hmm. Une quelque chose qu'ils ont essayé de trouver, c'est ça la loi unjust enrichment, pour donner à un monde qui prend marié, à least un bien, son relation est cassée. Avant ça, parce qu'il n'y a rien. Alors, c'est un service à la loi unjust enrichment pour dire, vous n'êtes pas capable de pour ça, madame. Mm-hmm. Une veille aux enfants, une lave aux linges, une cuillère manger, une veille aux nénènes, pendant tout ça, les temps, vous avez donné un certain quelque chose. Alors, c'est un sens ça. Droit de superficie, pareil. Il partit dans la loi. Donc, on a besoin de créer un droit, qu'ils ont appelé un droit de superficie, pour dire qu'il y a un monde, une belle de la terre qui va pour lui. Il y en a jouissance sa superficie sur la terre. C'est comme ça qu'ils ont nom venu. Là, dans tous les cas, nous pas laisser ça à un jugement de la cour. Nous mettons un clause, un article dans le Code civil spécifique. Un pour droit, propriété, bon concubin, un pour droit de superficie pour les gens qui font une construction de la terre qui va pour eux. Un qui est difficile pour une force, trouble de voisinage. Oui. Qui m'a dit? C'est nécessaire. Nous avons la loi nuisance ici,
côte si on a ou fait la fumée, ou bien tapaz, ou bien l'odeur, ou bien la poussière, aucun sa bonne quelque chose qui vous fait, ou voisin, il est capable, ou bien dit mon gars, il disturbe, il est capable de mener une caisse dans une nuisance, une caisse nuisance contre tout. Mais il est très difficile pour prouver une caisse nuisance à cause son bas est assez haut. Mm-hmm. Ce qui nous fait, là, nous dit, pour entre voisins, nous pouvons réduire sa barre. Nous pouvons faire si que voisins vivent entre voisins convenablement. Ou pas pour le couple aux herbes dans la rue, dimanche après-midi, les voisins peuvent reposer. Ou pas pour le brûler ou salter, samedi bon matin, les voisins peuvent laver son linge, peuvent mettre dehors de la corde. Ou pas faire ça bonne quelque chose, OK? Et donc, nous introduisons la loi contre trouble de voisinage. Quand nous sommes bas, ils viennent beaucoup plus bas et beaucoup plus facile pour prouver. Par exemple, on n'a pas besoin de prouver une nuisance. Mm-hmm. On a besoin juste prouver que ça dit que le papa peut vivre en bon voisin. Okay. Et si le papa peut vivre en bon voisin, la cour va dire avec lui. Mm. Ben, selon l'expérience, le temps, nous pouvons avoir sa quantité d'amendements qui n'arrivent au coin, il peut tenir pour combien l'année à cause de dynamique, c'est un choc, quelque chose sans aide du jour au lendemain. Oui. De temps en temps, nous pouvons amendre certains la loi. Combien au coin il peut tenir? Ben, que quand nous avons fait l'autre plus grande révision encore. Je ne crois pas que nous devons être en grande révision encore. Je crois que ce qui nous fait là, il montre nous qu'il y a une révision périodique, il y a trop gros travail, il y a 8 ans pour nous faire une révision. Chloros s'y fait pour lui en à peu près un an, lui tout seul, sans aucun comité ou anything like that, et nous voyons une défaillance qui va arriver. Ce qui nous va souhaiter, c'est qu'il y en a une évolution périodique. Chaque fois qu'il y en a un article qui nous voit défaillant, on nous sens lit. Mm-hmm. On nous fait une révision périodique, l'est nécessaire. On ne peut pas espérer tous les 40, 50 ans pour faire une grosse révision. À cause, une bonne chose avec la loi, par exemple, c'est qu'il est dynamique. Nous ne sommes pas capables d'espérer, là même, là, 40 ans. Il y en a certaines choses qui ont tant de choses à faire, mais nous allons vivre avec et nous allons laisser la cour fine-tune. Pour essayer de trouver une solution. Il ne devrait pas être comme ça. Mm-hmm. Aussitôt qu'il y a un problème est arrivé, la loi devrait trouver une solution. Et ce qu'il nous espérait, non seulement pour la cause civile, mais dans tout bon la loi, c'est qu'il y en a une révision constante. Et mon capable de dire, permettez-moi pour saisir ça l'occasion, que le Bureau d'Attorney Général a set up un Law Revision Committee mm-hmm. qui peut faire exactement ça. Donc là, je peux revoir tout bon la loi, mais après ça, je ne peux pas toute la loi à jour. Et à mesure que ça y prend pied, sa comité va venir présenter un Law Revision, un Law Reform Committee, mm-hmm. pour qu'il y en ait une réforme de la loi. Donc, au lieu d'espérer, chaque fois qu'il y en a un nouveau, quelque chose qui arrive dans le monde qui nous croit adapté pour ici, nous allons revoir. Mm-hmm. Chaque fois que nous tapons les pieds avec un problème, nous devons revoir lui, regarde son philosophie, qui m'a pour sensé et sans lui. Moi, c'est comme ça qu'un pays moderne devrait être massé, et c'est comme ça qui, dans l'optique, Bureau d'Attorney Général, nous donne la loi pour qu'on révise from now on. Et un dernier mot, M. Georges, nous connaît pour dire, mon pas envie de généraliser, mais c'est bien, nous connaissons ces lois. Rare, nous connaissons la loi, excepté les temps et situations arrivées, nous taillons ici, nous taillons là-bas. Qui est dernier mot, on a pour dire à citoyens? Ben, get up to date avec la loi. Écoute bon programme tel pareil, sans haine, qui nous peut participer là-dedans. Et là, mon besoin profiter pour féliciter bon média. Pour le travail qu'ils ont fait, pour éduquer du monde. Il est important qu'ils tout le temps gagnent éduqué. Il est important qu'ils tout le temps restent up to date avec quelque chose qui arrive. Mais plus que ça, il est important qu'ils prennent contact avec bon politicien ici, c'est celle. Chaque district, il y en a un mené, un bon est sorti d'un parti, un bon est sorti d'un autre parti, peu importe, prends contact avec ou mené. C'est bon mené qui législateur. Donne-lui l'idée. Il n'y a pas aucune idée qui est une mauvaise idée. Ça, tout le temps, on dit, there is no bad idea. Tout bon l'idée est bon. Donne-nous l'idée avec ou même l'Assemblée. Donne-nous l'idée avec un petit monde qui vous connaît, qui est capable de mener ça plus devant. Mais fait essayer que même l'Assemblée est tout le temps up to date avec bon problème qui arrive dans le district pour que les autres soient capables de mener ça dans la loi, à bon sens de dans la loi devant. Et fait essayer que tout le temps, nous, la loi est restée up to date. Honorable, merci beaucoup. Bien apprécié que vous nous fassiez le temps pour une cause avec nous. Le plaisir est bien partagé. Merci.
Voilà, ainsi c'est qui m'ont souhaité intéresser dans la cour, très détaillé, le nouveau code civil, une vie en force, les premiers illiètes, bien sûr, après une révision intense qui a commencé depuis 2013. M'ont souhaité s'intéresser, une intéresse, nous posons d'accord une semaine pour un autre topic dans Tête à Tête. C'est ce qui nous rejoint, porte bien et bonne continuation, le SBC.